必ず迎えに行く。あの日あの人はそう言った。どんなに時間がかかっても必ず迎えに行くと。Arthur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Filmo TV pour parler d'Onoda. Après une vie en salle et à Cannes aussi, que vous aurez peut-être envie dont vous avez peut-être envie de nous parler un petit peu. Est-ce que vous avez bien vécu ce festival et la sortie en salle, l'exploitation ? Oh oui, oui. Ce serait quand même malvenu de ne pas être content d'être présenté. Puis on était en ouverture d'un certain regard. Tout a été super. Et puis la réception et à Cannes et ensuite critique et les retours de spectateurs que j'ai eus, parce qu'on a toujours ceux qui sont positifs, mais non, j'ai eu l'impression que c'était, on pouvait pas être mieux reçu. Voilà, la seule ombre au tableau, mais comme pour à peu près tous les films qui sont sortis, notamment ceux de Cannes, c'est le pass sanitaire qui nous a un peu fauché. On est sorti le jour de l'instauration du pass sanitaire, et voilà. Enfin, ça s'appelle la fatalité, et il y a des enjeux plus importants que nous, donc non, tout était une espèce de bon emboîtement après un travail très long, donc c'était bien, ouais. Alors on va parler du film de manière un peu plus concrète. Est-ce que vous pourriez me dire, c'est une question un peu banale, mais c'est toujours intéressant de savoir comment vous avez eu l'idée de ça. Est-ce que c'est l'envie d'ailleurs, ou est-ce que c'est l'envie de parler de cette histoire-là, de cet homme-là, de Onoda? C'est d'abord l'envie de faire un film d'aventure. J'avais l'envie de faire un film d'aventure sans être beaucoup plus précis que ça. Je cherchais, je lisais beaucoup de choses, de la fiction, beaucoup de récits, d'aventuriers, de navigateurs, etc. Et c'est mon père qui m'a parlé de cette histoire, parce qu'il savait que je peinais à trouver une trame. Et il m'en a parlé un peu au détour d'une conversation, sans être très précis, se souvenait ni du nom, ni des circonstances exactes. Et il l'a dit sans vraiment y croire, enfin, que j'allais faire un film dessus. Et voilà, j'ai rencontré cette histoire comme ça, j'ai été me renseigner, j'ai lu des choses sur Internet. Puis j'ai trouvé un livre écrit par Bernard Sandron, qui était le seul livre écrit en français, et c'est toujours le cas, sur Onoda. Il avait rencontré Onoda et la plupart des acteurs encore vivants à l'époque, dans les années 70, vraiment à son retour au Japon. Ce livre était vraiment très précis, très bien fait, avec une construction temporelle aussi qui n'est pas du tout celle qu'on a gardée, mais qui en tout cas mettait l'accent sur le vertige un peu monstrueux de cette histoire comme ça. Et voilà, ça m'a tout de suite fasciné, aspiré, enfin, et j'ai senti confusément qu'il y avait plus que l'anecdote historique, il y avait plus que le Japon, il y avait tout ça. Voilà, enfin, c'est rare de rencontrer une histoire à ce point-là puissante et avec des possibilités de profondeur, en fait. やつらはワーオーバーと言っていました。みんな聞きましたよね。もし戦争が終わったのに人を殺したら。誰が最初に一発撃ったんだ。我々か。鈍行だ。でも。やつらはワーオーバーと言っていました。やつらがこちらに発砲したんだ。戦争は続いてる。敵がいるんだ。アメリカ人にしろフィリピン人にしろ敵は敵だ。敵がいる。任務がある。俺は。
Est-ce que ça vous a étonné de voir que ça n'avait jamais été vraiment raconté au cinéma? Est-ce qu'on se dit, quand on tombe sur une histoire pareille, forcément quelqu'un l'a déjà raconté? Bon, j'ai rapidement compris que c'était pas le cas, parce que on le sait vite. J'ai pas souvenir de m'être particulièrement étonné ou parce que quand j'ai commencé à en parler à des Japonais, j'ai compris les raisons qui faisaient que c'était un sujet compliqué pour le Japon. Je pense qu'Onoda, de son vivant, était plutôt opposé. Enfin, je ne sais pas s'il y a réellement eu des projets ambitieux de faire des films sur lui. Il y a eu une forme de téléfilm en deux parties pour la télévision japonaise dans les années 90, je crois, que je n'ai pas vu, qui, je crois, n'est pas très bon. Et je n'ai pas cherché à le voir. Et non, en fait, aujourd'hui, je pense que c'était une aubaine pour moi. C'est-à-dire, encore une fois, rencontrer une histoire au sens plein, aussi puissante que celle-là, et qu'elle soit laissée à disposition, c'est une espèce de... C'est un sentiment que j'avais un petit peu eu sur mon film précédent, par rapport au milieu des Diamantaires, où je m'étais rendu compte que c'est un milieu qui n'avait jamais été réellement le terrain d'une fiction. Ouais. Et c'est l'impression d'avoir un territoire vierge préservé comme ça. Enfin, le cinéma a été à peu près partout, et on a l'impression que trouver des histoires ou des lieux qui n'ont pas encore été explorés, c'est presque impossible. Et j'ai eu ce sentiment-là très très fort avec Onoda. Ouais. Vous me disiez que vous avez compris pourquoi ça n'avait pas été vraiment l'objet d'une fiction jusqu'alors. C'était quoi les raisons? À quoi vous êtes confronté en fait quand vous avez voulu vous raconter cette histoire-là? Qu'est-ce que vous avez senti peut-être comme crispation ou comme problématique qui fait que vous disiez, je comprends maintenant pourquoi ça n'a pas été raconté? Alors, bah, du point de vue japonais, Onoda a été successivement un problème, un espèce de mythe égaré, un héros, de nouveau un problème. Enfin, en fait, ce qu'il met en jeu et ce qu'il incarne sont des choses extrêmement complexes qu'on peut résumer par le rapport du Japon avec son histoire guerrière, quoi, et le rapport que le Japon entretient à sa place. Est-ce qu'ils se font partie? Ils font partie du camp des vaincus, mais ils font aussi partie du camp des victimes, puisqu'il y a eu les bombes. Et il n'y a jamais eu réellement d'examen de conscience de la question du militarisme japonais. Enfin, ça pose, et du nationalisme japonais, de la responsabilité de l'empereur. Et Onoda arrive comme une figure presque préservée, intacte, d'avant la défaite, et il a lui-même mis en défaite tous ceux qui ont essayé de le combattre, et y compris les équipes de recherche japonaises qui ont été le chercher. Enfin, c'est comme si tout seul il avait fini par remporter la guerre du Pacifique, enfin, en tout cas ne pas la perdre, quoi. Donc c'est vraiment une figure qui a des faces absolument réversibles et gênante, en fait, pour le Japon. Et donc, surtout qu'il a été progressivement, il est devenu une figure affiliée à la droite nationaliste, militariste, sans réellement adhérer notamment au parti le plus fort de ce courant-là. Mais notamment sa femme était assez directement de ce côté-là. Et bon. C'est devenu une figure, on va dire, si on respecte les catégories françaises, une figure de droite, quoi, très à droite. Donc tout ça fait que... En fait, les films japonais qui traitent de la guerre, récents, je veux dire, sont quasiment tous des films qui choisissent des figures assez rassurantes, c'est-à-dire des officiers qui ont compris qu'il fallait juste qu'ils préservent la vie de leurs hommes, mais... qui avaient compris que ça servait à rien de... Enfin, que la guerre était finie, ou des gens qui ont œuvré pour que ça se passe le mieux possible. Mmh. Enfin, il y a une forme de neutralité comme ça, il y a peu d'examen de conscience ou de positionnement du côté
du côté de la gêne, quoi. Et évidemment, parler d'Onoda, c'était aller. Enfin, je vois pas comment on peut ne pas prendre tout en même temps, quoi. Donc, et vous arrivez, vous êtes français, donc il n'y a pas ces complexes-là chez vous, il n'y a pas ce rapport à l'histoire de votre propre pays. Est-ce que ça facilite, si vous voulez, l'approche des Japonais? Est-ce que la manière dont vous présentez le projet est bien accueillie par eux? Enfin, est-ce que ce regard d'étranger-là, finalement, c'est un atout? Oui, ça a été un atout. J'ai senti que... En fait, j'ai senti que l'histoire fascinait la plupart, soit les gens la connaissaient déjà, les acteurs, les agents. Les plus jeunes la connaissaient vaguement, ou disons d'un peu plus loin, parce qu'en fait, il y a une forme d'amnésie, enfin, il y a vraiment eu une espèce de plongée dans l'ultra-modernité au Japon, et qui fait que le rapport à l'histoire est vécu maintenant de manière assez distante, assez... On détourne un peu les yeux. Mais les acteurs étant des gens qui ont une place vraiment à part dans la société japonaise, ils étaient, enfin, le fait de se connecter à cette histoire-là les passionnait, soit qu'ils la connaissaient déjà, soit qu'ils la redécouvraient ou l'approfondissaient. Et le fait que j'avais une approche qui n'était pas du tout japonaise, qui n'était pas du tout une approche thématique, on va dire, sur le militarisme, la guerre, le lavage de cerveau, enfin, toute chose qui aurait pu être soit vraiment un regard occidental extérieur, soit un regard de mauvaise conscience japonaise. Ouais. En gros, pour le dire rapidement, le regard que j'avais était plutôt humaniste, oui. Et universaliste. Je pense que ça les a... C'était la bonne porte d'entrée, quoi. Et puis je sentais qu'en fait... Il y avait des résonances très très fortes avec des choses qu'ils avaient envie d'exprimer. Mm-hmm. Enfin. Donc ça s'est avéré vraiment une bonne, un bon portail de discussion, quoi. C'est un film difficile à écrire. Oui, c'était très long à écrire. Moi, je ne connaissais pas le Japon, je ne connaissais absolument pas la guerre du Pacifique. Et puis, il y avait toute une série de difficultés, la dimension temporelle. Ouais. Le rapport au genre était complexe aussi, parce que c'était un film de guerre sans être un film, ouais, de guerre. Le rapport à l'action était compliqué. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour comprendre comment tout faire fonctionner. On est passé par des versions multiples qui nous ont successivement dévoilé les enjeux, voilà, jusqu'à finir par arriver à des points de détail. Et on s'est fini. C'est le moment où on s'est rendu compte que le film était là, mais oui, c'était long. Ouais. 2h45, le film dure donc près de 3 heures. Est-ce que c'est une envie de faire du cinéma épique? Vous vous êtes dit, je veux faire un film long, ou au final, est-ce que c'est la durée? Vous ne pouviez pas aller en dessous de ça, quoi. Est-ce que c'est la durée du film, ou est-ce que vous avez envie que ce soit un film massif? Non, je n'avais pas particulièrement envie que le film soit très long. Le scénario était d'ailleurs pas excessivement long, il faisait 120 pages à peu D'accord. près. Un peu dense, j'imagine, mais il avait été minuté à un peu plus de 2 heures. Moi, je pensais que c'était un peu sous-minuté, j'imaginais 2h15, 2h20. Mm-hmm. Disons, je pensais que c'était pas possible qu'il soit plus court. Ouais. Mais quand on a commencé à tourner, le minutage, très rapidement, on a compris que ça excédait, toutes les scènes excédaient ce qui était prévu. Et il y a un rythme comme ça qui s'est installé, qui était dû au fait que aussi la mise en scène privilégiait des plans très longs, oui. par envie esthétique, et aussi d'une certaine manière par l'usage qu'on a fait de la mise en scène dans les journées nous a permis de faire tout rentrer, oui. C'est-à-dire qu'on pouvait, au-delà d'un certain point, pas surdécouper les choses, oui. Pour plusieurs raisons. Une d'entre elles était que à chaque fois qu'on terminait une prise, le débrief, c'est-à-dire ce que je disais aux acteurs, était traduit, oui. Ce qu'ils avaient à dire était traduit. Il y avait systématiquement à peu près 15 ou 20 minutes de pause entre chaque prise. Oui. Et donc, de fait, ça réduisait le nombre de plans. Et moi, ça m'allait bien parce que je découpe assez peu. J'ai toujours trouvé une forme d'épanouissement là-dedans. Mais du coup, les acteurs étaient libres dans les plans. Et en fait, ils ont trouvé, ça c'est assez mystérieux, c'est aussi eux qui trouvaient la respiration, le tempo des scènes. Et voilà, on a compris que le film serait très long. Il y avait régulièrement des plans
des prises de 10 minutes, il y a eu un moment des prises de 30 minutes. Alors ensuite il s'est agi en tournage de... On a vraiment cherché à ce que le film soit le plus court possible, c'est-à-dire on ne voulait pas excessivement déborder dans la durée ou faire volontairement un film long, on n'était pas dans cette complaisance-là. Mais oui, c'était vraiment la durée que le film devait faire, enfin on a essayé de trouver la durée organique du film. Et oui, le film s'étend sur 30 ans, mais c'est, au-delà de ça, c'est surtout que c'est la construction d'une expérience qui passe quasiment par plusieurs types de narration, plusieurs niveaux de récit, et pour que le film devienne le monde qu'il devait être et fasse presque oublier au spectateur où il était, il nous a semblé que cette durée-là était la bonne. ナロシ作戦と呼ぶことにしよう。収穫日ごとに島中の畑に火をつけるんだ。もし周りの島に友軍あるいは諜報員がいれば、その炎を見てルヴァン島はまだ戦闘状態であると分かるはずだ。Quand vous arrivez là-bas, est-ce qu'il y a une volonté chez vous de tout maîtriser, c'est-à-dire de vraiment maîtriser l'environnement, de maîtriser le jeu des acteurs, même la langue? Est-ce qu'il y a une frustration de ne pas parler la langue des acteurs? Ou est-ce qu'au contraire, cette perte de repères, elle vous aide en un sens? C'est un équilibre assez étrange entre des choses qu'on comprend ne pas pouvoir maîtriser. Ouais. Mais qui, une fois qu'on a compris et qu'on a accepté, qu'on a mis en place un certain nombre de dispositifs, notamment par rapport à la langue, moi, on cessait de m'angoisser. Et à partir de là, c'est très libérateur. Moi, j'ai eu l'impression de saisir comment ils jouaient, et comment les diriger. Au bout d'un moment, j'avais l'impression de les diriger comme j'aurais dirigé des Français, parce que je connaissais très bien les enjeux du scénario. Ouais. J'étais avec un traducteur, un interprète. Japonais dont j'avais une confiance totale dans son travail, dans ce qu'il disait, comment il traduisait. Et puis moi je cherche tout le temps, même sur les autres films que j'ai fait, à ne pas tout maîtriser, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à un moment où il y a une liberté et des accidents qui puissent se produire, ou une espèce d'équilibre instable, ou notamment les acteurs, ce qui se produit dans les cadres, ce qui peut se produire à la lumière, créer les conditions d'une surprise, en fait, relativement, imparfaitement maîtrisée, comme ça. Mais c'est tout est question d'équilibre. Est-ce que le fait de travailler avec votre frère, qui est donc votre directeur de la photo, ça vous permet ça aussi, c'est-à-dire de lâcher un peu prise? Enfin, j'imagine que vous êtes dans une relation où vous pouvez vous parler sans vous parler. Enfin, il doit y avoir forcément une compréhension un peu tacite entre vous deux. Mais quelle est la part de liberté que vous lui donnez, notamment, et comment vous travaillez tous les deux?
Bah, on se connaît tellement bien et on prépare en amont très 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 longtemps les films, D'accord. notamment le découpage sur plusieurs mois. Et là, sur ce film-là, c'était vraiment un découpage extrêmement étiré avec des allers-retours entre le Cambodge où on faisait les repérages et Paris où on travaillait à distance. On a commencé à découper sans connaître les décors, enfin, D'accord. qui sont des principes un peu comme ça pour essayer d'avoir un équilibre, encore une fois, entre l'idéal et Ouais, le réel, ouais. quoi. Ce qui est pour moi un équilibre très important dans les films. Mais tout ça fait que quand on arrive sur le plateau, on a l'impression d'avoir créé les conditions que quelque chose surgisse, que quelque chose vienne, tout en pouvant s'adapter, alors que tout est très préparé. Après, sur la liberté qu'il a, c'est un peu comme les acteurs, c'est-à-dire à un moment, le plan se déroule, moi je crois que je suis pas psychorigide et que le cadre, c'est une question de sensibilité, et puis c'est tellement en fait un élément d'un tout où il faut que les choses s'emboîtent de manière mi-harmonieuse, mi-glissante, comme ça, pour que quelque chose de l'ordre d'une vérité ou d'une beauté se produise, quoi. Et au bout d'un moment, on délègue aux acteurs l'expression, le drame, on délègue au chef opérateur ou au cadreur la composition, en partie, même si on l'a fait ensemble Oui, bien avant, mais sûr. on délègue au présent de nous amener du soleil ou de la pluie. On est obligé, en fait, c'est ça qui est très beau, quoi. Le film est un vrai exercice de point de vue. On est du point de vue d'Onoda, ce qui fait que, justement, ça vous permet de ne pas faire un film de guerre dans le sens, au sens premier du film de guerre. Alors, j'imagine que d'un point de vue logistique, déjà, c'est rassurant parce qu'on n'est pas dans une débauche de pyrotechnie, etc. Mais qu'est-ce qu'on a comme quelles sont les références en fait quand vous faites un film de guerre qui n'en est pas un, qui est en fait un film psychologique guerrier? Les références en termes de Oui, cinéma par ou... exemple. Alors, il y a des références d'abord littéraires, en fait, Bon, étonnamment, d'accord. des grands récits comme ça d'aventures dans le vide. Bon, il y a Le désert des Tartares, mais il y a aussi Robinson Ouais. Crusoe, il y a Don Quichotte, qui est quand même ce chevalier qui imagine qu'il a des missions chevaleresques, alors qu'il est dans une époque où la chevalerie est en déclin et il s'invente des ennemis. Enfin, tout ça sont des récits qui... Il y a En attendant Godot, il y a des choses comme ça. Bon. En fait, le récit d'Onoda ne pouvait pas ne pas amener ces idées-là, qui d'une certaine manière aussi prépare la littérature de l'absurde ou le théâtre de l'absurde, qui a d'ailleurs eu vraiment des effets dans le cinéma, notamment le cinéma moderne. Tout ça lié aussi, par exemple, à l'œuvre de Monty Hellman, qui est très très marquée par toute cette généalogie-là. Donc, par exemple, Monty Hellman était une des références que j'avais, à la fois stylistiquement et presque philosophiquement. Notamment ses westerns. Enfin bon, moi je suis un admirateur de ces deux westerns avec Nicholson et de Macadam à deux voies, qui sont... Macadam à deux voies, d'ailleurs, est une sorte de western. Mais qui sont des films, pour moi, qui sont des films d'action. C'est-à-dire les personnages sont en permanence en train de faire quelque chose, mais qui tendent en permanence vers une espèce de transcendance métaphysique, existentielle et psychologique, sans qu'on puisse jamais être sûr de ce qui se joue psychologiquement, justement. Voilà, ça pour moi c'était des exemples très forts. Et puis certains films de guerre, un des films de guerre très influents pour moi et mon frère, c'est un film de Walsh qui s'appelle Aventure en Birmanie. Oui. Qui est un film assez magnifique sur le dépassement de soi et l'espèce de débauche de fatigue et de alors que je n'ai pas revu pour préparer Onoda, mais dont le souvenir était très Oui. fort chez moi.
Et après, il y a aussi des films de Fuller qui sont, alors qui sont plus directement des films de guerre au sens, enfin d'ailleurs le film de Walsh est purement un film de guerre, mais c'est souvent des films qui se dépouillent petit à petit de la du spectaculaire, c'est-à-dire le spectaculaire se resserre autour de quelques corps, oui. Dans quelques décors, et on finit par arriver à une forme de dépouillement parfois extrêmement poignant. C'est le cas des films de Fuller sur la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, donc c'est des exemples qu'on avait, mais on avait aussi des exemples qui n'étaient pas des films de guerre, qui étaient des certains films de Mizoguchi, ouais. Certains d'ailleurs où la guerre peut être présente, qui sont plutôt des guerres médiévales ou des mais pour moi, le film ne pouvait pas se limiter à une variation sur la guerre, ou même la thématique n'était pas que la guerre. Et d'ailleurs, donc, vous le dites très bien, vos influences ne sont pas que japonaises, mais quel est votre rapport, vous, au cinéma japonais ? Oh bah, il est très fort, même si réellement je ne connais que quelques auteurs majeurs, mais qui sont ceux que la plupart des cinéphiles connaissent, mais il y a vraiment, c'est un continent énorme, le cinéma japonais, et je le connais assez mal, en fait. Moi, je connais bien Mizoguchi, bien Kurosawa, je connais assez mal Naruse et Ozu, et j'ai été très très marqué par plusieurs films de Wakamatsu, par exemple, qui ont été d'ailleurs des influences, notamment United Red Army, sur la question de l'immersion presque folle dans un point de vue extrême comme ça, la question du sacrifice, la question de la jeunesse, enfin c'est un film que j'admire énormément. Donc j'ai un rapport très fort au cinéma japonais, et puis je suis un admirateur de quelques grands cinéastes japonais contemporains comme Kiyoshi Kurosawa, Nobuhiro Suwa et principalement ces deux-là. J'ai pas forcément été, j'ai pas voulu forcément m'armer avec une forme comme ça de référentiel japonais. En fait, moi, le Japon, je le connais d'abord à travers le cinéma. C'est une expérience de artistique très forte pour moi, principalement Mizoguchi et Kurosawa. Mais enfin, c'est un peu comme dans le cinéma japonais, dans le cinéma américain, Ford, Hawks, Walsh, Hitchcock sont des espèces de... Enfin, c'est tellement ancré en moi que ce soit en termes de découpage, de vision du monde, de recherche d'une harmonie ou de représentation de la violence. C'est des choses qui m'ont constitué beaucoup et qui deviennent presque de l'ordre de l'inconscient, quoi. Donc j'ai essayé de ne pas faire japonais, enfin je pensais que c'était un piège plutôt. Et souvent, ce qui ressort en tous les cas des retours critiques ou même du public, c'est que c'est un film qui a l'air intemporel, c'est pas un film, alors il faut pas le prendre mal, mais moderne, dans le sens où vous vous inscrivez vraiment dans un classicisme de cinéma. C'est quelque chose que vous revendiquez, vous ? Oui, et en même temps, je pense qu'il n'y a rien de plus moderne que le classicisme. Oui. Non, mais c'est une question très, très intéressante et compliquée. Et je pense que dans l'esprit de la plupart des gens ou des critiques, il y a, à mon sens, quelque chose d'assez simpliste dans cette dichotomie-là. Enfin, pour moi, la plupart des grands cinéastes sont... C'est impossible de dire s'ils sont modernes ou classiques. D'accord. Ça vaut pour tous les cinéastes que j'ai cités avant. Mais ça vaut aussi pour moi, pour la plupart des grands cinéastes contemporains qui ont un rapport très 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 fort au classicisme. Enfin, c'est comme ça que moi je le vis et je le sens. Je sais pas, ou Hsiao Hsien, même à Pichat Pong. Enfin, là je cite des cinéastes volontairement, des cinéastes asiatiques, mais disons, il y a quand on pousse un geste de rupture très très loin, on retrouve très étrangement quelque chose de l'ordre du classicisme, mais pas forcément du classicisme cinématographique, mais au-delà de ça, en fait, ça peut rejoindre la peinture, ça peut rejoindre la musique,
Je vois pas comment on peut ne pas être en dialogue avec quelque chose qui est de l'ordre du classicisme, c'est-à-dire d'une forme qui vise l'harmonie, ou disons qui. Parce que je pense qu'en fait, quasiment la première pulsion de l'artiste, de manière immémoriale, c'est d'essayer de trouver une forme à la représentation du monde qui soit une. Qui cherche l'harmonie, même si elle est introuvable, ou Oui. qui cherche à ordonner les choses. Alors oui, on pourrait dire que l'expérience moderne, c'est d'abandonner ça Oui. et de faire le deuil de ça. Mais même en faisant le deuil, en fait, le souvenir de ça ne peut être, on peut qu'en dialogue avec Oui. ça, en fait. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'envie de représenter s'il n'y a pas si, sans sans cette, sans ce fantasme, sans cet idéal. Donc pour moi, bon, pour revenir à la démarche du film, je pense que pour comprendre ce que peut être un geste moderne ou postmoderne ou contemporain, il y a quelque chose d'excitant à essayer de justement de ne pas être dans le geste. Je pense que c'est des il y a beaucoup de films qui vont vieillir très vite à chercher des gestes de rupture ou des gestes de modernité ou de et je pense que l'intemporalité ou la recherche d'une perte de repères même stylistique a quelque chose à voir avec le temps long en fait.家族や子供を見捨てる家族がいるか。家族を信頼しろ。ほら、もう少し休め。Et je voulais vous interroger aussi, parce qu'on en a déjà parlé dans un autre contexte, mais de votre utilisation du zoom, que moi je trouve assez formidable parce que, et vous m'en aviez parlé, c'est il y a une sorte de regard un petit peu moqueur sur le zoom qui s'est développé un peu avec le temps. Et je trouve que là, il retrouve tout son intérêt psychologique, vraiment de mise en scène. Est-ce que vous pourriez me dire si, dans votre génération, par exemple, c'est facile d'imposer le zoom Ah, moi, j'ai jamais eu de problème à imposer quoi que ce soit parce que, bon, en fait, on fait quand même un peu ce qu'on veut. On est Ouais. dans un pays où on nous. Enfin, dans le cinéma d'auteur français, on est quand même assez libre. Enfin, Ouais. par contre, c'est vrai qu'il y a il y a eu pendant longtemps une espèce de mépris du zoom qui était, je pense, perçu comme un héritage ringard des années 70 ou Ouais. 80 ou d'un certain type de cinéma. Bon, en fait, c'est ça aussi une vision très, très, assez inculte de l'utilisation du zoom, qui en fait a été utilisée par des très, très, très grands cinéastes, et qui même,
je pense, a permis de réinventer une manière de filmer l'espace et de comprendre l'espace. Notamment un cinéaste comme Robert Altman et le travail qu'il a fait avec Vilmos Siegmund est complètement hallucinant. Il raconte d'ailleurs comment, sur le tournage d'un film qui s'appelle John McCabe, ouais. ils ont trouvé une combinaison entre le travelling et le zoom qui leur a permis de pénétrer dans l'espace ouais. et de travailler l'espace comme une matière. Et en fait, combiner le travelling et le zoom permet de faire des choses qui sont absolument infaisables autrement. Ouais. Une espèce de torsion de la perspective et de rapport au personnage ouais. dans l'espace. Donc en fait, c'est un outil, ce serait absurde de ne pas l'utiliser, ouais. enfin, on peut ne pas l'utiliser, mais ce serait absurde de ne pas voir que ça permet quelque chose, de même que la couleur permet ouais. quelque chose, ou que le sfumato en peinture, enfin, je veux dire, c'est mépriser le zoom est une aberration, en fait. C'est un outil esthétique, c'est un outil poétique, c'est un outil dynamique, incroyable, le zoom. Alors, il peut être utilisé de manière excessive, ça peut être très beau, il peut être utilisé de manière imperceptible. Nous, d'ailleurs, on l'utilise dans ce film-là de plusieurs manières différentes. Ouais. Des fois, on ne le sent pas du tout. Et des fois, notamment, il y a un plan quand Noda se retrouve seul, ouais. qui est très, très remarquable. Mais c'est un outil, en fait. C'est un outil qui, d'ailleurs, fait partie de la modernité du cinéma. Et qui peut se mêler à des outils plus classiques. Enfin, c'est précisément un endroit où les choses, les frontières ne sont pas facilement. Enfin, moi, je trouve par exemple que la manière dont Aung San Suu Kyi utilise le zoom est assez dingue. C'est un des seuls outils de mise en scène qu'il utilise, puisqu'il les raréfie maintenant très très. Il va très très loin dans la raréfaction. Et voilà, ça, c'est excitant en fait, mm-hmm. formellement. Je voulais vous poser aussi la question en matière de production. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, peut-être avec le recul, que c'est un vrai défi de production, et qu'est-ce qui vous a poussé à penser qu'un film comme ça était possible? C'est-à-dire que nous, dans un regard extérieur, on se dit un Français dont c'est le deuxième long métrage, qui va au Japon pour faire un film pareil de 2h45 sur un sujet aussi vaste, etc. Nous, je pense qu'il y a eu un effet de sidération aussi chez les spectateurs et chez les journalistes. Vous, est-ce que vous êtes posé la question de la faisabilité du film? Oui, bien sûr. Moi, quand on a décidé, parce qu'on était quasiment dès le départ avec le producteur Nicolas Antomé, on oui. était deux, à prendre cette décision de développer le film et de croire qu'il pouvait exister. On ne savait pas comment le faire exister en termes de financement. On avait des idées, on a testé énormément de choses. Et moi, je me suis lancé dedans en me disant dans le coin de ma tête que le film pouvait évidemment ne pas voir le jour, pouvait ne pas exister. Mais quand même, il y avait une croyance que c'était faisable. En fait, c'est l'histoire, en fait. C'est la force de l'histoire et ce qu'elle permettait. Je sentais que ça devait être un film et que je pouvais, moi, le faire, ce film. Et que ça, c'était plus fort que les doutes ou que les réticences. C'est pas possible de pas être intéressé par cette histoire, oui. en fait. C'est rare, en fait, une histoire comme ça, qui ne peut que... Enfin, il y a peut-être des gens hein, qui peuvent trouver ça facile, un peu grossier, mm-hmm. un peu c'est un fait divers historique. Si on veut, mais c'est du snobisme, je pense. Mm-hmm. En vrai, cette histoire est hallucinante ouais. et elle doit être racontée. Je pense que on a besoin de raconter une histoire comme ça. On a envie d'entendre ça et de comprendre ce que ça a pu être comme expérience. Le rapport à l'expérience, pour moi, est la chose la plus forte au cinéma. Mmh. Et donc ça, pour moi, c'était une base suffisante pour y croire. Alors après, oui, en termes de production,
on a cessé de changer notre fusil d'épaule et de comprendre à quel point le film était quand même plus cher. Bon, il y avait une chose de départ, c'est qu'on se disait, c'est peut-être pas si cher, parce qu'au final, c'est principalement 4 personnes sur une île, avec peu de spectacles, mm-hmm. peu de décors, peu de figurations. Donc, s'il n'y avait pas eu cette donnée assez épurée comme ça au départ, peut-être qu'on n'aurait pas cru que c'était faisable. Ouais. Il y avait dans cette dimension un peu délirante, il y avait quelque chose de possible. Et on s'est appuyé là-dessus. Et après, voilà, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait beaucoup de partenaires internationaux. Mmh. Il y en a eu plus que ce qu'on pensait. Mais le film intéressait un peu partout. Donc au final, ça a été très très complexe en termes de production. Mais on a à un moment compris que ça allait pouvoir se faire. On m'a dit un peu plus de mots. バカみたいな殴り合いをものすごく後悔してる。お前のことは忘れねえ。あの人がここにいるみたいに話しかければいいんですか？そうすればいいんですかね？何て言えばいいんだろう。逆に教えてほしいんです。あなたが死んだことは何かの役に立ったのか、それとも何の意味もなかったのか。だってここじゃ誰も教えてくれないんです。赤津、俺を見るんだ。農民たちは武装していた。それは俺たちも同じです。違う、お前のその態度、反逆罪で処刑だぞ。脱走した時だってそうだ。あの時はお前がまだ若かったから許してやったが、もうそうはいかん。Quand on a fait un film comme ça, qu'est-ce qu'on a appris déjà? Est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on en sort avec des compétences, peut-être techniques ou narratives supplémentaires? Est-ce que une confiance? Je ne sais pas. Là, au moment où j'en suis, je suis surtout déboussolé. D'accord. Parce que j'ai volontairement été très 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 loin de mon pays, de mes histoires, de moi. Alors je pense qu'en fait, je m'y suis mis entièrement, mais j'avais besoin de ce décrochage. Et en fait, c'est plus perturbant que prévu. C'est-à-dire que je ne peux pas systématiser ce genre de geste. Ouais. Enfin, disons, ça pose cette question-là. Est-ce que mon identité, c'est d'aller le plus loin de chez moi possible? Est-ce que c'est de faire les choses les plus incroyables ou les plus infaisables? Est-ce que mon identité, ça ne peut pas être de faire que des films au Japon ou en Asie? Je ne veux pas faire que des films de guerre ou des faits divers historiques. Mais j'ai pas non plus envie, enfin c'est pas possible que ce film soit juste une parenthèse. Ouais. Et bon, par ailleurs, c'est un trajet que j'ai commencé avec mon film d'avant, qui déjà, d'une certaine manière, quittait la France et se fixait sur une dramaturgie très forte de films de genre. Oui. Pour essayer d'amener ailleurs, enfin. Mais il y a un moment où percevoir ce parcours-là comme un parcours d'obstacles qui va tout le temps être plus... Enfin, je veux dire, c'est aussi un peu absurde de voir ça comme une performance. Donc réellement, je me suis mis dans un endroit d'étrangeté par rapport vraiment à mon identité artistique qui est assez perturbante aujourd'hui. Donc, c'est mon rapport aux histoires aussi qui se pose. Mon rapport aussi à la contemporanéité, enfin, toutes ces questions-là sont complètement rebattues pour moi. Et donc j'ai plutôt l'impression de ne pas exactement savoir que de savoir. Je pense que c'était une des choses que je cherchais en fait avec ce film. Est-ce que c'est le genre de projet où quand vous êtes dedans, vous ne pouvez rien faire par ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être depuis, peut-être de manière concomitante, mais est-ce que vous pouvez écrire autre chose? Est-ce que vous avez... J'avais commencé à écrire un projet
quand le scénario de Noda était terminé et que la prépa n'était pas vraiment lancée et que j'avais pas vraiment commencé le casting, tout ça, j'ai passé plusieurs mois à travailler assez fort à un projet qui... ça fait partie des choses qui sont... Et puis à un moment où c'était plus du tout possible. Mmh. Et c'est, donc ça m'a, quand je suis plongé dans Onoda réellement, ça m'a éloigné de ce projet. D'accord. Voilà, la question se pose de reconnecter avec. Puis bon, moi par ailleurs, j'ai un caractère très exclusif. Et je n'arrive pas à faire les choses... j'arrive pas vraiment à faire les choses en parallèle ou à faire des choses... à me dédoubler. Mmh. Ou... ça peut très vite m'angoisser, j'ai l'impression de ne pas être là, de pas... Donc, non, c'est assez prenant quand même. Arthur, merci beaucoup. On a bien fait le tour du sujet. En tous les cas, félicitations à nouveau. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous.